Hey, yo les nabos! Aujourd'hui, on va se retrouver sur un jeu que vous m'avez proposé par MP ou dans les commentaires. On va jouer à Yandere Simulator! Sachez d'ores et déjà qu'il y aura d'autres épisodes sur ce jeu, parce que le meurtre est un poison qui se distille lentement pour être apprécié. Mais surtout, parce que j'ai très envie de prendre mon temps pour découvrir toutes les options. Alors ce premier épisode sera simplement un épisode de découverte. Il y aura à mon avis pas de truc folichon avec beaucoup de sang partout, hein. Faudra pas vous attendre à ça du tout. Vous me croyez? Alors, c'est parti! Welcome to Yandere Simulator! Ha! Derrière, on voit l'école avec la petite horloge et ça doit être l'héroïne qu'on va... Hein? Ok, on est déjà dans le bain. On voit tout de suite le sadisme dans le regard de cette jeune fille que nous allons appeler Léa. Pardon à toutes les Léas. Ouh, on me donne la possibilité de créer mon homme idéal, mon senpai idéal, qu'on va appeler Léo. Du coup, je vais essayer de le faire le plus sexy possible. L'homme de ma vie devra avoir une belle coupe de cheveux. L'homme de ma vie devra être swaggy. Yeah! Voilà la cravate! J'adore, c'est magnifique. Et voici l'homme de mes rêves. Mon Léo adoré, mon senpai adoré. Tu seras à moi. Blablabla, je vous passe l'introduction. Je vous ferai un joli résumé du style maintenant. Tout ce que vous devez savoir, c'est que vous incarnez une jeune fille qui ne ressent rien, aucun sentiment, excepté pour Senpai, notre Léo, qui devient alors le centre de son attention. Mais évidemment, il y a des rivales, et nous devons les éliminer. Ah, et aussi, il y a Info-chan, cette mystérieuse inconnue qui connaît tout sur tout le monde et qui est capable de vous donner des informations sur n'importe qui du moment que vous lui envoyez une photo. Bizarre. Dès lundi, c'est l'heure d'aller à l'école, je suis super impatiente d'aller à l'école pour apprendre des tas de choses, c'est super! Il n'y a pas de fenêtre à cette chambre, c'est très austère. Change panties, je peux porter des petites culottes. Encore heureux que je puisse porter des petites culottes. Avec une jupe, ça serait un tout petit peu dangereux de ne pas en porter. Pervers, s'abstenir. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma chambre? C'est un hôtel pour Léo. C'est une brosse à dents que j'ai volée à la maison de Senpai. En brossant mes dents avec, je me sens super bien. Mais elle est kleptomane! Elle va voler des choses chez les gens! C'est un pansement que Senpai avait. Son sang est délicieux! Je sens que Léa et moi, on va parfaitement bien s'entendre. Bon, c'est pas tout, mais faut qu'on aille à l'école maintenant, hein. This is my school. Il y a une fille là-bas, directement, je vais aller la voir pour me faire des amis. Est-ce que je peux te parler pendant un moment? Ah, complimenter. Tu as l'air d'être super mignonne aujourd'hui. Vraiment? Merci. C'est super gentil ce que tu dis. Je sens que je vais me faire un maximum d'amis dans cette école. Wouah! Un couteau, des ciseaux, un katana. Très bien, monsieur, madame la directrice de l'école, aucun problème. Très responsable. Eh ben, j'aime servir. Le ciseau, c'est pour travailler à l'école, hein, forcément. Et le couteau, c'est pour travailler à l'école, hein, forcément. Oh, c'est toi, je te reconnais. Je t'ai fabriqué et je t'aime. Qu'est-ce qui va pas avec elle? Elle agit bizarrement. Déjà, tu me parles meilleur, hein. Avec tes lunettes en 3D, t'as pas trop à te la ramener, ok? Sexy. Je reviendrai, mon Léo. Et toi et moi, nous filerons des jours heureux à Hawaï ou dans un autre endroit paradisiaque de ton choix. C'est ma bande de potes. Salut les potes. Oh putain, mais alors elle? Mais mon Dieu. Mais c'est quoi ça? Attends, faut que je regarde avec mes vrais yeux, pas avec ma caméra. Mais c'est quoi ces nibards là, les gars? Oh bordel! J'en ai des pareils, moi. Ah non, les miens, ils sont minuscules. J'ai des nibards normaux, quoi, en fait. Toi, tu seras ma victime. Toi, je te choisis. I choose you to be murdered by me, ok? Murder list. Fuck you! Poussez-vous, je cherche ma classe. Poussez-vous, s'il vous plaît, merci. C'est pas une classe, c'est l'infirmerie. Une seringue, ok? Bah je prends, et ça c'est un tranquillisant. On peut trop faire des trucs avec ça. Ça ne te gêne pas, si j'en prends tout ça? Ok, bah alors si tu t'en tapes les boobs, eh bah j'aime servir. Bah ils sont passés où mes potes? Ah merde, ils sont déjà tous en classe peut-être là, non? Voilà, tu sais où il faut aller, tu sais où est ma classe? Schtroumpf, je te parle! Elle est où ma classe? Ah non, maintenant ici c'est la classe des gens qui ont les cheveux bleus, voilà. Ici c'est la classe des gens qui ont les cheveux verts, eh mais sérieusement? Au Japon, on classe les gens par rapport à leur couleur de cheveux, comme ça vous le savez. C'était l'information du jour. Go to class, bah voilà, ça c'était ma classe. Je suis dans ma classe. Biologie. En sélectionnant la biologie, vous pouvez mieux connaître les faiblesses du corps humain pour apprendre à tuer vos victimes plus efficacement avec moins de sang. Tuer plus efficacement.
l'école est terminée, c'est l'heure de manger. Oh, senpai, tu es là, mon senpai. Je vais te suivre discrètement. Qu'est-ce qu'il regarde? Ouais, senpai, vas-y, wesh, qu'est-ce que tu regardes là? Tu regardes la cour qui est vide et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Quoi? J'ai l'air bizarre, tu de... Quoi? Putain, mais je regarde le paysage avec lui et tout, mais il est barré dans sa tête, lui. J'ai perdu. J'ai juste perdu. Oh, mais tu es super bizarre comme fille. Laisse-moi tranquille. Je suis le seul à ne pas avoir d'amis hormis mon cerisier. Je l'observe à la récré et à la pause déjeuner. Ma boule. Je l'aime encore plus. Et voilà, je suis armée. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un couteau? Non, il n'y a pas de couteau. Ne panique pas. Mais déjà, de quoi tu te mêles? D'où tu me juges parce que j'ai un couteau? Qu'est-ce que tu fais? Drone. Ah, hey. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Je suis en train de la noyer! Ouh! Ouh, c'est jouissif! Ouh là là! Oui, oui! Vas-y, noie-la! Vas-y, appuie bien sur la tête à cette espèce de cote! Nickel! Ça lui apprendra à me juger. À me juger avec ses gros nips. Barre et sa culotte blanche qui est exactement la même que la mienne. J'ai noyé quelqu'un. Allô, j'ai noyé une fille là en fait dans la fontaine. Non, tu t'en fous? Ok, d'accord. C'est très bien si tu t'en fous. C'est très très bien. Oh non, 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 là c'est beaucoup, beaucoup moins bien là. C'est la prof. Ah, le petit con. Le petit con. Il allait prévenir la prof, lui. Non, pousse-toi, senpai, j'ai pas le temps là. Lui. Où est-ce qu'il est passé? Il s'est enfui. Espèce de petit rapporteur. Je le garde dans un coin de ma tête, celui-ci. Et dès lors que je le recroiserai, je lui ferai grandement payer. Madame, mais que s'est-il passé? Drague. Ah, c'est quoi ça? Oh merde! Oh non, pardon, je la tenais pas par la main. Non. Non, pardon. Oh, comment elle m'a maîtrisée? Oh merde! Exclue de l'école. J'ai une prof qui fait des arts martiaux, bonjour. Et je ne faisais que lui tenir la main pour la réconforter, pour prendre son pouls. Ah, je regardais si elle était vraiment morte. Il faudrait quand même que je trouve un nom à cette grognasse rousse là. On va l'appeler Ursula. Il est temps de changer de tactique. On va faire ça. Des meurtres basés sur l'effet de surprise. Des meurtres. Parfait. Putain! Je vais tous les faire! Elle! Oh là, c'est le massacre, les amis! Non, c'est fini déjà? Oh non, c'est pas terminé! Ben non, c'est pas fini! Mais pourquoi ça serait terminé, putain? Ouh, le mec, il est cru, il allait m'échapper! Je vais aller me cacher quelque part où les policiers ne me trouveront jamais. J'ai mon cœur qui bat de plus en plus vite. Je pense qu'il va se passer quelque chose de vraiment pas rigolo pour moi d'ici quelques instants. Elle est pas bien là, Léa. Elle est pas bien là, des spasmes là. Moi au contraire, ça me rend folle, j'adore ça. J'ai des spasmes un peu aussi, pareil, j'aime bien. La police est arrivée à l'école et Yandere-chan a été suspectée du crime. Elle ne pourra jamais avouer son amour à senpai. Il fallait que je fasse ce meurtre, vous comprenez? J'avais besoin de tuer ces gens! En ce jour d'école bénie, j'ai boosté ma biologie. Je suis maintenant au rang 2 de biologie, c'est génial. Tu as assez de connaissances en médecine pour administrer un tranquillisant. Le tranquillisant peut seulement être utilisé dans la pièce de stockage à l'intérieur de la salle de gym. Ça va être marrant, ça va être super drôle. Une victime, toi non... Toi non... Tiens, vous, monsieur le rapporteur, j'ai quelque chose à te montrer, viens, ça va être vachement cool. Descends encore. Allez, je sais, c'est long, c'est loin, il y a beaucoup d'escaliers dans cette école, boue, c'est caca, mais dépêche-toi un peu quand même, hein. Viens avec moi, Poirot. C'est ici le local de stockage. Prize, motherfucker. Oui. Génial, Idor. Je l'ai pas tué, Idor. Et ça, c'est du travail propre et honnête. C'est super propre, ce que je viens de faire. Qu'est-ce qu'on peut faire de vous, hormis vous traîner inconscient dans toute la pièce? Dump. Et je n'ai plus qu'à retourner en cours, l'air de rien. Yandere-chan a quitté l'école, elle est retournée à la maison, elle est revenue sur les coups de minuit et elle a ramené la victime inconsciente jusqu'à son basement. Une base. Basement, c'est là, c'est ici, c'est mon antre secrète. Bah non, c'est pas là, c'est bizarre. Alerte, changement de sexe. Alerte,
changement de sexe. Ou alors je suis une multirécidiviste dans le domaine du kidnapping. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je sais que vous êtes déçus parce que j'ai dû louper énormément de choses dans ce jeu, mais je ne pouvais pas tout condenser en un épisode, c'était pas possible. Du coup, ce que je vous propose, c'est que vous me notiez dans les commentaires le meurtre que vous voulez que je réalise pour l'épisode numéro 2, et Léa et moi, on tâchera de le faire pour vous. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo avec tous vos proches, et en attendant la prochaine, à tous, je vous fais de gros bisous.